On y va. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Patientez une minute. J'ai envie de. Voilà. Parler du Mali et du Burkina, il faut que je porte la tomate, mon béret, parce qu'il y a des militaires là-bas, au Mali et au Burkina. Bonjour, bonsoir, soyez salués, Epiphane Patrick Toku Dagba, big up à toi. Bonne arrivée sur ce direct, il faut partager. Je n'aurai pas assez de temps pour faire les big up. En tout cas, soyez salués, bonne arrivée à vous. Je suis le général Modibo Goïta, Djédjé, Doboblé, Gbagbo, Sankara, Cheikh Anta Diop. Bonne arrivée à vous. Connectez-vous et partagez. Mettez des cœurs quand vous arrivez. Comme ça, on est tous au même niveau de l'information. Parce que le moment de se parler est arrivé. Personne ne doit rester en marge de ce moment-là. Il faut partager partout où vous pouvez. Partager partout, partout, sur toutes les pages, dans les inbox. En tout cas, partout où vous pouvez, il faut partager. Voilà. Merci d'être là. Nous avons trois points et quatre points, on va dire. Le premier point concerne. Qu'est-ce que je voulais dire? Où ça y est? Attendez, je vais sur mon mur parce que il faut que j'aille sur mon mur pour vous dire les titres. Voilà. Alors, le premier point, c'est le Mali. Le oui l'emporte. Bravo, colonel Assimi Goïta. Donc, le premier point, c'est le Mali. Le deuxième point, c'est le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré veut interrompre les accords militaires avec la France. Troisième point, Côte d'Ivoire, Draman vend un immeuble de l'État. Et quatrième point, divers. Il y a tellement de points que je souhaiterais qu'on aille plus vite et qu'on partage. Nous allons commencer par le premier point, le Mali. Je vais m'étendre un peu sur le Mali parce que il y a longtemps que j'ai parlé de ce pays. Je souhaiterais que chacun puisse partager et que chacun puisse envoyer cette vidéo partout. Merci à vous. Nous allons parler du Mali. De quoi s'agit-il? Il s'agit du référendum. Mais avant le référendum, vous savez, il y a eu une campagne de désinformation que certaines personnes ont mis en place. Dans ce référendum, la constitution a été un peu touchée. Dans cette constitution, il y a la partie religieuse où Assimi Goïta demande au peuple malien de choisir, sinon, ils ne veulent pas d'État laïque, ou bien si oui, ils veulent d'un État laïque. Sur ce point, il y a un imam du nom de l'imam Diko. L'imam Diko, qui à l'époque, quand on lui posait des questions sur, comment on appelle, sur l'État idéal qu'il voulait pour le Mali, il avait dit à l'époque que lui, il souhaiterait que tous les Maliens se reconnaissent dans la République, dans comment on appelle l'État républicain. Il souhaiterait que tous les Maliens, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu fasses du vaudou, ou tu sois bouddhiste, ou tu sois, je sais pas, adorateur des astres, ou même toi tu pries seulement que Zeus ou la Lune. Ça, c'est toi qui vois. Mais tant que tu te reconnais dans la gouvernance républicaine, à ce moment-là, tu es bienvenu au Mali. Pourquoi aujourd'hui l'imam Diko change de bouche et il commence à battre campagne pour le non? Parce que pour lui, désormais, il ne peut pas accepter que la laïcité soit dans le pays. On ne peut pas être un homme de Dieu et puis mentir. Quand tu es un homme de Dieu,
il faut respecter Dieu. Quand tu es un homme de Dieu, il faut avoir une seule parole. Quand tu es un homme de Dieu, il faut craindre Dieu. Les amis, nous allons écouter l'imam Diko et vous allez voir que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. On va l'écouter ensemble et vous comprendrez pourquoi je commence ce direct par lui, parce que il ne peut plus tromper le peuple malien. Quand tu es dans un deal, quand tu as décidé d'accepter l'argent des colons contre ton pays, c'est comme ça que tu t'exprimes. On va voir qu'est-ce que disait l'imam Diko face aux questions de ces mêmes personnes qui aujourd'hui le poussent à accepter le nom. Voilà, l'imam Diko est là. On va l'écouter, l'imam Diko. En réalité, on n'a pas discuté avec tout le monde. Quel est l'état malien idéal pour vous? L'état dans lequel tout le peuple malien se reconnaisse. C'est ça un état idéal. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, l'état... Quelles que soient ses opinions. Quelles que soient ses opinions, il se retrouve le nom. L'État républicain dans lequel je l'ai dit et je le revendique et je n'ai pas honte de le dire. Écoutez bien. Je l'ai dit dans d'autres circonstances, c'est ma conviction. Si elle n'était pas ma conviction, je n'allais pas la dire. Hein. Je me plais, moi, dans cet État républicain, démocratique et laïque. Chaque républicain a un droit dans ce pays. Voilà. Quelle que soit son opinion, quelle que soit sa religion. Rassemblés au palais de la culture, voilà. Ils sont venus dire... Voilà. Quelle que soit son opinion, quelle que soit sa religion, c'est l'imam Diko qui dit ça. Et il dit que il se plaît dans un état laïque. C'est ce que l'imam Diko dit, qu'il se plaît dans un état laïque. Donc il a accepté la laïcité autrefois, et aujourd'hui, il prend la laïcité pour dire non. Il prend la laïcité pour dire que c'est la laïcité qui va écraser le Coran, qui va écraser l'islam. La laïcité vient pour anéantir l'islam. La laïcité vient pour effacer l'islam. La laïcité arrive pour faire du mal aux musulmans. Voilà ce que l'imam Diko vient dire après quelques temps devant encore les médias, poussant les jeunes à dire non au référendum. Voilà ce que l'imam Diko dit. On va tout à l'heure l'écouter et on verra ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit, l'imam Diko. Voilà. Je pense que je suis sur la bonne fréquence. On va l'écouter. Voici l'imam Diko. On va écouter ce qu'il dit. Ah oui, je vais enlever le volume. On a piétiné le Coran. La laïcité au nom duquel on a profané Allah. Son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais nous ne pouvons pas nous taire sur ça. Non. Mais à quelques kilomètres. Vous n'avez pas bien entendu, on va revenir un peu en arrière. 50 000 partisans du oui, Ibrahim Boubacar Keïta. Écoutez. 2020. La laïcité au nom duquel on a piétiné le Coran. La laïcité au nom duquel on a profané Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais nous ne pouvons pas nous taire sur ça. Non. Mais à quelques kilomètres, voilà. De là, en périphérie de la capitale... Tu ne peux pas dire, Imam Diko, tu ne peux pas dire à un moment donné que toi, tu es partisan de la laïcité. Que toi, tu veux que tous les Maliens se retrouvent dans la République malienne. Tu souhaites que personne ne soit mis à l'écart. Que personne... ne se sentent, comment on appelle, ne se sentent exclus de la République. Mais comment toi, un imam, qui disait autrefois que tu souhaitais la laïcité, aujourd'hui tu dis que la laïcité au nom de laquelle on écrase l'islam, on écrase la religion musulmane, comment tu peux avoir deux bouches devant un peuple, parce que tout ce qu'on dit là, c'est retenu. Mais quel est le vrai problème de l'imam Diko? L'imam Diko dit ça, il prend position contre le nom
dans ce comment on appelle dans ce référendum parce que lui, il est acheté. L'imam Diko touche des perdièmes venant d'ici, de l'Europe. Il touche des perdièmes. Et comme ils sont passés par tous les moyens pour faire taire le Mali, les amis, ça balance entre 340 et 334. Donc, il y a un problème. Donc, il faut commencer à mettre des cœurs. Il faut partager. Commencer à pomper des cœurs et partager. Mettez beaucoup. Faites-le. Mettez des cœurs. Parce que, voilà, maintenant j'ai parlé, ça a bougé un peu. Parce que c'était bloqué là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je mets un petit temps mort pour que vous puissiez partager. Et puis, pour que ça puisse passer. Parce que ce que je suis en train de dire est très important. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas arrêter ce que je suis en train de dire. Donc, il faut partager. Alimata Biesel. Mais c'est de ça qu'il s'agit, tu vois. Un soi-disant imam. C'est un soi-disant imam. Et quand on dit ça, il y a des gens qui disent non, c'est un homme de Dieu, il faut le respecter. Mais un homme de Dieu, il a une parole. Il n'a qu'une seule parole. Quand il dit oui, son oui, c'est oui. Quand il dit non, son non, c'est non. Tu ne peux pas tromper éternellement les enfants de Dieu. Tu prouves que tu es un vendu, tu es un acheté. Tu prouves que tu es très corruptible. Tu prouves que le peuple malien a eu tort de croire en toi à un moment donné. C'est ce que tu es en train de montrer là. Parce que tu disais que tu étais d'accord. Depuis quand la laïcité est-il un problème, est-elle un problème pour, comment on appelle, pour l'islam? Depuis quand la laïcité est un problème pour l'islam? Depuis quand? Des gens ont vécu en parfaite harmonie avec des musulmans, des chrétiens, des animistes. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et c'est leur opinion, c'est leur option, c'est eux qui ne veulent pas croire en Dieu. Toi, tu crois en Dieu, tu n'as pas obligé quelqu'un à croire en Dieu. Tu peux essayer de faire comprendre à la personne les bonnes, comme on appelle, les bonnes volontés de Dieu, les bienfaits de Dieu. Tu peux convaincre quelqu'un en lui donnant des preuves et des explications. Mais tu ne peux pas l'obliger. Tu ne peux pas l'obliger. Parce que si tu l'obliges, ça sera par obligation et non par la foi. L'imam Diko est parti dire à ses partisans de dire non. Et il a brandi l'islam. Mais c'est l'islam qu'ils sont en train de manipuler. C'est l'islam qu'ils sont en train d'instrumentaliser pour pouvoir créer des embrouilles au Mali. Ils sont en train d'instrumentaliser l'islam contre le bon travail d'Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta, depuis sa venue au Mali, il y a un changement. Le Malien lambda marche tête haute. Le Malien est fier de lui aujourd'hui. Il est fier même de se présenter malien. Il est pressé même de montrer sa pièce d'identité. En France, ici même, quand un policier l'arrête, il oublie même qu'il a un passeport français ou bien il a une carte France, il a une carte française. Il oublie même ça et puis il fait sortir sa carte malienne tellement il est fier désormais d'être malien. Vous comprenez? Il est tellement fier d'être malien qu'il présente sa carte malienne au lieu de présenter sa pièce d'identité française. Et tout ça là, c'est grâce à Assimi Goïta. C'est grâce à la volonté politique d'Assimi Goïta, la volonté politique de Choguel, du Premier ministre Choguel Maïga. C'est grâce à la ténacité de Abdoulaye Maïga, c'est grâce à la fermeté de Abdoulaye Diop. Toutes ces personnes-là sont en train de transformer le Mali, sont en train de faire en sorte que tous les cœurs sont tournés vers le Mali. Les Africains désormais se connaissent. Souvent même, on pose la question à Hervé Djegué, il dit, il s'appelle Modibo. Tellement il est fier d'être comme un Africain grâce au Mali. On me demande même, tu t'appelles comment? J'ai dit, il m'appelle Modibo. Tellement je suis fier. Souvent, je dis, je suis Goïta. Je suis Assimi Goïta. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Assimi Goïta a su prendre le bon côté de l'histoire pour que le Malien, l'Africain, que tu sois malien ou pas, que tu sois chrétien ou musulman, moi qui parle aujourd'hui d'Assimi Goïta et du Mali, je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Je suis chrétien, depuis ma naissance, je suis chrétien. Vous comprenez? Mais je suis fier du combat d'Assimi Goïta. Je suis fier du combat des Maliens. Que Assimi soit musulman, que Assimi soit chrétien, que Assimi soit bouddhiste, que Assimi soit, comment on appelle?
Mais ils soient féticheurs, animistes, qui fassent Maïkari, qui partent être je ne sais quoi encore, quelle autre religion, judaïsme ou quoi, ça c'est pas moi mon problème. Qu'est-ce que je regarde en Simi Goïta? Je regarde sa démarche, où il envoie le Mali. Et où il envoie le Mali là, moi ça me plaît. Moi ça m'arrange, je m'en fous si les musulmans. Même si Assimi Goïta disait, qu'il voulait rendre le Mali un pays islamique, je n'allais même pas regarder ça. Si Assimi veut, il n'a qu'à dire le Mali est pays islamique, ça c'est pas mon problème. Moi mon problème là, qu'est-ce que Assimi pose comme acte au Mali pour les Maliens, pour les Africains vivant au Mali, pour les Africains dans le monde entier? Quels sont les actes que Assimi Goïta pose pour tout le monde? C'est ça. Donc, si demain il disait que non, lui, il voulait rendre le Mali pays islamique, je suis derrière lui. Je suis avec lui même à 100%. À 300%, 500%, je suis derrière lui. Pourquoi vous, Africains, vous aimez gâter vos frères? Pourquoi vous, Africains, vous aimez chercher des raccourcis pour pouvoir salir l'image de quelqu'un qui travaille très bien pour son pays? Pourquoi vous, Africains, pendant que les autres Africains de d'autres pays sont en train de soutenir le combat d'Assimi Goïta au Mali, au lieu d'être fiers, vous êtes en train de dire non, on ne veut pas. Assimi Goïta met la laïcité parce que il va pas, parce que vous savez qu'à 90% ou à 95%, hein, le Mali est un pays islamique. À 95% ou à 90%. Il y a beaucoup de musulmans au Mali. Donc vous voulez profiter par ce nombre de musulmans pour pouvoir faire tomber Assimi Goïta. On vous a dit, ah, prenez la religion. Comme Assimi veut être libéraliste, Assimi veut passer par la laïcité, il faut utiliser maintenant la laïcité pour dire non, Assimi veut nous gâter, il veut attaquer l'islam. C'est faux, cher ami. L'islam, l'imam Diko est en train de mentir. C'est un corrompu. Comment on appelle? L'imam Diko est un danger pour le Mali, est un danger pour l'Afrique. Il faut partager. Il faut partager, les amis. Il faut partager. L'islam Diko est un danger pour le Mali, mais un danger pour l'Afrique. Écrivez ça en commentaire. L'islam, comment on appelle, l'imam Diko est un danger pour le Mali. Vous pouvez mettre pour l'Afrique, parce que nous tous, on se sent concernés. On se sent concernés. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est quand Simi Goïta est en train de faire comme travail, vous allez venir, comment on appelle, sectariser ça. Vous allez venir prendre ça pour dire non, c'est une affaire de religion. C'est une injure à notre personne. Vous insultez même le combat des Maliens. Vous vous foutez de tous les Maliens. Il faut que l'imam Dikola soit interpellé. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Les amis, il faut que l'imam Diko réponde un jour devant la justice. Oui, 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 oui. On n'amène pas les imams en prison parce que c'est des hommes. On dit que c'est des hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu qui veut amener le peuple à la dérive doit répondre de ses actes. Un homme de Dieu qui accepte qu'on tue, parce que ceux qui vont dans les villages tuer les paysans là, ils ne trient pas si tu es musulman ou bien tu es chrétien. Les terroristes là, les terreaux là, quand ils rentrent dans les villages, ils ne trient pas. Ils ne regardent pas que toi, tu as tellement prié Dieu, tu t'es tellement prosterné que ton front est devenu noir. Donc tu pries Dieu tellement. Je peux te rappeler, je suis en direct. Allô? Allô? Oh, purée. Mais tu appelles, on décroche, tu coupes. C'est quoi ça, Ramon? Ah, les amis, nous étions montés à 500, il faut monter. Il faut monter, monter le mercure, je suis encore là. Il faut partager, monter le mercure. Faites monter le mercure. Allez-y, faites monter le mercure. Allez-y. Oui, Fousseni Nimaga, c'est toi-même qui as trouvé. L'imam Diko est un danger pour l'humanité.
L'imam Diko est un danger pour l'humanité. Il n'est pas qu'un danger pour le Mali ni pour l'Africain. Il est un danger pour l'humanité. Parce que quand on dit imam, ça doit faire référence à un homme pieux. Ça doit faire référence à quelqu'un qui prie Allah. Ça doit faire référence à quelqu'un qui est un guide religieux, qui accompagne le peuple dans une démarche vers Dieu. Ça doit être quelqu'un par qui Dieu passe pour envoyer son message. Mais tu ne peux pas dire A aujourd'hui et puis demain tu viens dire B. Il y a problème. C'est très problématique. Donc le oui là, nous saluons Assimi Goïta encore d'avoir réussi son passage. Le oui a pris le dessus malgré les dénigrements, malgré les histoires de choses et autres. Ce qu'ils ont, chacun a commencé à raconter, ce que chacun a commencé à dire. Ce que chacun a commencé à sortir, l'imam Diko a perdu. L'imam Diko a perdu. Voilà. Il faut saluer Assimi Goïta, mettez des cœurs. Saluer Assimi Goïta, mettez des cœurs. Allez-y, mettez beaucoup de cœurs. Mettez beaucoup, beaucoup de cœurs. Et puis écrivez en commentaire pour que ça reste sur ce direct. Écrivez bravo à Assimi Goïta, au colonel Assimi Goïta. Écrivez ça en commentaire, ça va rester ici. Il faut écrire ça. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Parce que, c'est-à-dire, tu regardes le combat de ce jeune homme, tu comprends que tu as fait le bon choix. Tu comprends que la fierté africaine te pénètre, rentre dans tout ton corps, parce que tu es fier de l'homme. Toutes les personnes qui venaient nous humilier en Afrique, tous ces colons qui venaient pisser sur nous, qui venaient se foutre de nous, ils tuent et puis il n'y a rien. Ils emprisonnent et puis il n'y a rien. Ils pillent et puis il n'y a rien. Assimi Goïta a mis un frein à cela. Il a dit stop, ça ne doit pas passer. Et ça là, il y a des gens qui s'élèvent là pour dire au nom d'Allah, il faut dire non à Assimi Goïta. Au nom d'Allah, Assimi Goïta vient gâter, hein, comme on appelle, notre religion. Mais vous mentez. Vous mentez. Vous mentez parce qu'Assimi Goïta n'est pas le problème du Mali. Bien au contraire, Assimi Goïta est la solution du Mali. Assimi Goïta est celui-là qui est le Messie, le sauveur du Mali. Assimi Goïta est à saluer. Il est à féliciter, il est à encourager. Assimi Goïta doit être accompagné par tous les Africains du monde. Par tous les Africains du monde. Même s'il y a deux chrétiens seulement au Mali, la laïcité serait de mise. La laïcité serait la bienvenue. Même s'il y a deux chrétiens, même s'il y a deux animistes, même s'il y a trois bouddhistes, la laïcité au Mali est de mise. Donc Assimi Goïta n'a pas fait une erreur. Assimi Goïta ne s'est pas trompé. Assimi Goïta n'a pas fait une faute. Assimi Goïta n'a pas fait une erreur. Pourquoi voulez-vous forcément faire passer Assimi Goïta pour un danger? Pourtant, ce fier Africain doit être salué, il doit être félicité, il doit être accompagné dans ce combat-là. Pourquoi vous, Africains, vous, Maliens, certains Maliens, vous voulez forcément faire passer? Il y en a même qui disent, oui, l'élection... Le référendum, ça s'est juste fait dans le sud. Mais au nord, il n'y a pas eu de référendum. Mon frère, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer. Assimi Goïta a le pouvoir du peuple. Le peuple a donné son pouvoir à Assimi Goïta. Il ne faut pas te fatiguer. Qui n'y serait? Assimi Goïta et Warabale. Voilà. Assimi Goïta ni. Abe Warabale, c'est un puissant, c'est un lion. Comment on dit roi en Malinké, en Babara? Assimi Goïta est un massa. Voilà, j'ai trouvé moi seul. Voilà, moi-même j'ai trouvé. Assimi Goïta est massa leye, massa ba, massa yere yere. C'est un roi. C'est un puissant roi.
Quand tu regardes derrière les Soudiata Keïta, Assimi Goïta est incarné par Soudiata Keïta. C'est l'incarnation de Soudiata Keïta. Comme au Burkina où Thomas Sankara a incarné Ibé, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est la même chose. Assimi Goïta, hein, c'est-à-dire il a été incarné par un grand roi qu'on appelait Soudiata Keïta. Soudiata Keïta, le roi du Mandeng, Massaba. Aya Sebe. Aya Sebe, Aya Foko, Assimi Goïta et Massaba, Massa Yere Yere. Écrivez ça. Assimi Goïta, Massaba, Massa Nyuma. Il faut écrire ça. Ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi des gens vont se lever contre lui? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il veut vous enlever dans la main des terroristes. Les terroristes de toutes couleurs. De toutes couleurs, des terroristes venant de partout, dans les quatre coins du monde. Il veut vous arracher à ces terroristes-là. Pourquoi vous, vous voulez rester dans les mains de ces terroristes? Pourquoi vous, vous voulez écouter le message de ces terroristes? Ils ont fait ça chez nous en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils ont dit que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans. Ils ont dit que les chrétiens ne voulaient pas que les musulmans soient au pouvoir. En Côte d'Ivoire, ils ont chanté cette chanson de haine. Et c'est la même chanson-là. Qu'ils ont commencé. Kefari. Kefari Mambedana. Oui, Kone Abdul Kader. Kefari. C'est ça qui est la vérité. C'est le Kefari qui est là. Le Moroba. Le Massa Yere Yere. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous voulez interrompre un si beau combat? Pourquoi? Est-ce que vous partagez, les amis? Est-ce que vous partagez? Il faut partager. Donc, mon point sur le Mali, comme je vous ai dit, j'allais m'attarder un peu dessus, parce que l'imam Diko, qui a prôné le non, a eu honte, parce que les Maliens ont dit oui, parce que les Maliens n'ont pas accepté cette foutaise, le Dangoro. Merci, Kone Abdul Kader, de me passer tous les mots, tous les adjectifs qualificatifs pour un grand homme qu'on appelle Assimi Goïta, Moroba, Morofarima, Kefarima, Kefari, Massa. Merci de me passer ces mots-là, parce qu'il faut saluer l'homme. Ce que je veux faire même dans ce direct, je veux par WhatsApp que au moins deux personnes puissent appeler avant que je ne passe à d'autres sujets. Nangamake, oui, Kone Abdul. Kone Abdul, tu es décidé à nous donner des adjectifs. Oui, le mangana. Comment tu as appelé? Comment il a dit ça là-même? Bon, j'ai pas bien vu. Attends, j'ai regardé. Il dit quoi? Le Nangama. Voilà. Ce que je vous demande, appelez. Appelez. Je vais prendre deux personnes, si possible, si vous voulez. Deux personnes qui peuvent dire quelque chose, si vous voulez. 00033 6 02 59 83 51. Je vais écrire et puis je vais voir si je peux. Voilà, pour intervenir. Je vais prendre des interventions pour intervenir WhatsApp. Voilà, j'ai mis le numéro. Attendez. Ah, ça passe vite là. Oh là là. Excusez-moi. Il faut que j'ai. Voilà. Appelez. Je viens. Si. Appelez vite, hein, parce que je vais passer à autre chose. Je vais avancer. Donc, appelez. Donc, vous voyez, si Assimi Goïta, dans cette posture, réussit à faire partir le Mali devant, en avant, pourquoi des gens vont venir s'interposer? Pourquoi des gens vont venir dire non, il ne faut pas accepter le oui? Mais le oui est passé, mon frère. Vous qui vouliez le non, vous qui avait fait la campagne derrière le non. Vous qui souhaitiez le non n'a pas marché. Parce que ça ne peut pas marcher. Parce que tous les Maliens sont derrière les colonels. Tous les Maliens sont derrière leur chef, Assimi Goïta, approuvé par A plus B, qui peut guider le Mali, qui peut amener le Mali au sommet. Quand quelqu'un peut amener le Mali au sommet, pourquoi l'empêcher d'amener le Mali au sommet? Pourquoi vouloir l'empêcher d'avancer? Pourquoi? Pourquoi vous voulez forcément devenir des dangers
pour le Mali. Pourtant, ce combat-là concerne les Maliens. Ça vous concerne au Mali. Regardez, la MINUSMA. Voici la MINUSMA qui est en train de vouloir encore étudier, c'est-à-dire l'ONU est en train de voir si MINUSMA peut rester encore au Mali. Et ça, c'est prévu pour le 29 juin. C'est-à-dire, très bientôt, le 29 juin, la MINUSMA doit avoir peut-être un autre mandat de l'ONU. Mais, Dieu merci, les Maliens sont sortis. Abdoulaye Diop. Et puis, Abdoulaye Maïga. Ils ont parlé. Ils ne veulent plus de la MINUSMA. Et même le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré a décidé de retirer ces hommes qui se trouvent dans la MINUSMA. Parce que lui, il a compris. Il a compris qu'il faut retirer ces hommes. Oui. Il a compris qu'il faut retirer ces hommes pour que la MINUSMA se retourne. Parce que bientôt, leur histoire de procès sur Moura, ça va sortir. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'il y a eu des morts à Moura. Il y a eu des choses qui se sont passées à Moura. Donc il faut accuser le pouvoir d'Assimi Goïta. Bon, avant de nous accuser là, nous on va vous demander de partir d'abord. Allez-y chez vous, rentrez chez vous. Quand vous serez chez vous, arrivez là-bas. Maintenant, ensemble, on va s'asseoir pour parler de ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas être chez nous. Et puis venir mentir sur nous, nous accuser impunément. On ne peut pas accepter ça. C'est pour cela que nous disons non encore. Non. Non à cette MINUSMA qui veut encore prolonger son mandat. Nous disons non. Oui. Marie-Galante Djédjé, big up à toi. Nous disons non. Nous disons non. Non et non. Les amis, si vous êtes là, il faut appeler. Hein, parce que je veux passer à autre chose. J'attends votre appel. Mais je suis sur les MINUSMA. Vous savez, les MINUSMA veulent forcément garder même mise au Mali. Ils veulent rester au Mali. Pourtant, la dernière fois, les jeunes sont sortis pour dire, MINUSMA, dégage. Il y a un dernier pion qui traîne. Le dernier pion, c'est la MINUSMA. Le dernier pion qui donne des informations, des fausses informations en plus. Le dernier pion qui continue de rendre compte. Le dernier pion qui continue d'observer et qui parle de paix. Mais ce dernier pion-là était là il y a longtemps. Vous êtes MINUSMA, vous êtes là pour maintenir la paix. Et puis, d'après vous qui maintenez la paix, il y a toujours des morts. Les terroristes arrivent à rentrer. Vous n'arrivez jamais à attraper des terroristes pour les donner à l'État malien. Depuis que vous êtes là-bas, vous dites que vous perdez des hommes. Vous dites que vous avez trop de problèmes. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on ne veut plus que vous perdez des hommes dans notre pays. On ne veut plus que vous perdez des hommes sur notre continent. Ce qu'on vous demande, Aïe Sabari, retournez chez vous. Aïe Sabari, prenez Aïe Adoni qui est Katara. Aïe Adoni qui est Katara. Reprenez vos ordures, vos bagages, vos armes et puis rentrez. Allez-y vous occuper de ce qui se passe aux États-Unis. Allez-y, rejoignez vos pays. Rejoignez, allez-y protéger les populations dans vos pays là-bas. Laissez le Mali en paix. Laissez les Africains en paix. On ne veut plus de vous. Vous avez servi, vous avez eu l'argent, d'autres ont construit une maison, d'autres ont eu enfants, d'autres ont eu femmes. Tout ce que vous avez pu avoir là-bas comme bien, que ce soit matériel ou humain, allez-y avec. Mais on ne veut plus de vous. Votre présence est nuisible dans notre pays, au Mali. Votre présence est nuisible sur notre territoire africain. On ne veut plus de vous. Et c'est ce qu'Assimi Goïta vous a demandé de dire, d'accepter en partant au référendum pour dire oui, parce que la constitution a été touchée de telle sorte que le Malien soit fier d'être Malien. C'est ça la vérité. Les gens n'ont pas compris et ils sont en train de faire des campagnes anti-oui. Mais c'est fini. La MINUSMA, c'est terminé. On ne veut plus de la MINUSMA. Les amis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous partagez? Le numéro est affiché. J'attends votre appel. Mais comme vous n'appelez pas, moi j'ai avancé. Hein, je vais aller au deuxième point parce que je voulais vous donner l'opportunité de dire un mot. Mais apparemment, vous n'êtes pas présent. Ou bien vous êtes occupé. Ou bien certaines personnes n'arrivent pas à appeler. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, le numéro, il est là. Vous avez toute option, tout le droit d'appeler pour pouvoir donner votre opinion. Oui, pour intervenir, j'ai épinglé le numéro. Le 06
02 59 83 51 pour pouvoir intervenir. Il faut aller, n'ayez pas peur, parce que c'est la peur qui empêche souvent vos interventions. Il n'y a plus à avoir peur. Il n'y a plus à avoir peur. Il n'y a plus à avoir peur. L'heure n'est plus à avoir peur, parce qu'il n'y a rien qui doit vous faire peur. La seule chose, personne qui doit vous faire peur, ou la seule chose qui doit vous faire peur, c'est Allah, c'est Dieu. À part Dieu, personne ne doit vous faire peur. Voilà. Si tu as ton opinion, si tu veux dire quelque chose, ne crains rien, dis ce que tu as à dire. Mais pour avancer dans mes propos, je voudrais vous dire une chose. Ce combat-là, il est multidimensionnel. C'est un combat hautement spirituel, physique et psychique. Comment on dit ça? Psychique. Physique, psychique. C'est un combat où on doit se lever et on ne doit pas traîner les pas. Il faut y aller à fond. Voilà. Donc, en ce qui concerne Assimi Goïta, j'ai fait la transition pour aller avec le Mali, avec le Burkina Faso directement, parce que je constate que vous n'êtes pas prêt à appeler, il n'y a pas de souci. Il y a longtemps, je vous ai donné l'occasion d'appeler, mais ce n'est pas grave. Ah, bon, j'ai quand même un appel. Je ne sais pas. Oui, allô? Oui, MDG. Lui-même. Oui, c'est Alimata Bizel, l'une de tes abonnés. Je suis sur le direct. Oui, là-même. oui, Alimata, sois salué. Salut, oui. Ça va? Ça va toujours ça va. Oui. Bon, je vais commencer par où? Comme tu viens de le dire, hein, cet imam-là, franchement, vraiment, pour nous les Maliens, moi je suis à l'extérieur, je suis en Allemagne. D'accord. Nous, Maliens qui sommes ici à la diaspora, j'ai l'impression même que notre pays, c'est la prunelle de nos yeux. C'est ça. Ceux-mêmes qui sont au pays ne peuvent même pas s'en rendre compte comment est-ce qu'on aime notre pays. Voir où est-ce que le Mali a quitté pour être là aujourd'hui, ça dit que c'est une fierté totale pour nous. On marche, on ne sait même pas comment est-ce qu'on va faire, tellement on est fiers de voir notre pays là où on est arrivé. Ouais. Et quelqu'un qui se dit imam, il veut prendre la religion. On a vu comment est-ce que les Occidentaux utilisent la religion pour gâter le pays des gens. On a tout fait. Ils ont tout fait. On a esquivé ça jusqu'à maintenant. C'est maintenant que lui vient parler de laïcité pour dire que non, c'est la laïcité qui va faire que non, je ne sais pas comment m'exprimer tellement je suis en colère. Ouais. Franchement, je te suis beaucoup et je suis presque dans tous tes directs. Si je n'arrive pas à être en direct, je regarde ça en différé. Vraiment, je te dis vraiment merci beaucoup pour le soutien que vous accordez à la lutte que nous menons pour notre pays. Et Inch'Allah, avec l'aide de tous les pays africains, on va y arriver. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y avait un autre thème sur. Non, c'est par rapport au MINUSMA aussi. Nous avons dit non au MINUSMA. Par rapport à la MINUSMA. Oui, bon, par rapport à ça aussi, on a vraiment dit. Bon, moi, je suis à l'extérieur, je suis en Allemagne, mais bon, je ne peux pas être au pays pour lutter, mais chacun lutte là où il est. Oui, oui. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les appels, ça dit, on se soutient mutuellement. Quand j'entends des gens dire, non, vous êtes là-bas en Europe, vous restez là-bas, venez ici au pays, on va lutter ensemble. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être au pays pour lutter. Donc la MINUSMA, on est vraiment contre. Qu'elle dégage de notre pays. Et quand la MINUSMA va quitter le pays, on sait qu'on pourra, on pourra s'en sortir. Ceux qui disent que si la MINUSMA part, les gens qui travaillent là-bas à la MINUSMA, qu'eux ne pourront plus manger. Mais ce n'est pas la nourriture d'une personne qui est beaucoup plus importante que tout un pays. C'est avant clair. Que la MINUSMA arrive, les Maliens ne vivaient pas. Belle question. C'est ce qu'ils ont dit quand Barkhane devait partir. Quand si Barkhane part, le Mali va sombrer. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu que notre armée n'a pas pu faire? Elle fait tout et ce serait la même chose quand la MINUSMA va quitter. C'est la MINUSMA même qui est le problème. C'est ça. Et qu'elle quitte, comme notre ministre des Affaires étrangères l'a dit la dernière fois à son allocution, c'est la MINUSMA qui est le problème. Et on sort pour que la MINUSMA parte de notre pays. Et on va bien s'en sortir, Inch'Allah. C'est tout. Merci. Merci aussi, Hervé Didi. On est ensemble. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup. Ciao. Voilà.
Voilà comment je dis merci à ceux qui arrivent à appeler. Vous voyez, il est très clair que la position de la MINUSMA au Mali ou même dans nos pays africains, je vous ai déjà dit, en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise post-électorale, comme ils appellent ça, vous savez qui était parmi les rebelles là? Qui était en soutien avec les rebelles? Mais c'était l'ONUCI, en Côte d'Ivoire. Ils donnaient même leurs casques bleus là à des rebelles, les faisant passer pour l'ONUCI, et avec eux, ils les faisaient traverser les checkpoints, ils les faisaient traverser les corridors. Ils étaient avec l'ONUCI de Côte d'Ivoire, ces rebelles-là s'habillaient en tenue onusienne et passaient de frontière en frontière, ils passaient les barrages. Et c'est comme ça qu'on transportait les rebelles de Boaké pour les amener, par exemple, dans la zone de Bondoukou. Les rebelles rentraient comment? Ils rentraient comment? Ils étaient souvent dans les chars de la force Likon. Souvent, ils étaient dans les chars de l'ONUCI. Et on venait les déposer à Bondoukou. Les amis, il y a eu ça chez nous. Et c'est ce qui est en train de se passer au Mali. On prétend avoir une force de maintien de la paix. Mais depuis que cette force est là, les assaillants, les terroristes continuent de massacrer nos populations. À un moment donné, quand on tape du poing sur la table pour dire non, ils commencent à s'affoler. Ils commencent à dire on veut s'enfermer. On veut être dans l'autarcie. On veut plus que les autres parlent. On veut plus des autres pays. On veut plus de quelqu'un. C'est ce qu'ils disent. Mais non, c'est pas parce qu'on veut plus de quelqu'un. C'est pas parce qu'on ne veut plus que quelqu'un parle. Mais non, c'est pas ça. Dites la vérité au monde entier. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler, je le rappelle. L'appel de la Côte d'Ivoire. J'étais en train de parler, j'ai pas suivi son appel. Donc je le rappelle. Oui, allô. Oui, allô. Oui, vous m'avez manqué par oui, appel. Je connais Abdoul Kader. D'accord. Ah oui, il connaît Abdoul Kader, lui qui m'a donné tous les grands noms. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire depuis ta position? C'est pour dire que ce combat, il concerne tous les Africains. Tout le monde doit s'impliquer. Si tu vois la France en train de faire mince de pied pour empêcher, c'est pour ne pas que les autres suivent l'exemple du Mali. Ouais. L'imam Diko, il n'a rien à dire, puisque par le passé, lui-même, il a dit qu'il était pour la laïcité. Il a changé de bouche un coup. Aujourd'hui, tu viens raconter autre chose. Ça veut dire que, comment dirais-je, c'est avec des arrière-pensées. Oui. Donc, comme la France n'a pas pu semer la division, voilà. Elle peut passer par l'imam pour ménager les Maliens. C'est ça. Sinon, la laïcité, quand le Mali, d'autrefois, n'était pas un pays islamique. D'accord. Le Mali, c'est pour tous les Maliens. Puisque quand les gens vont au front, ceux qui vont combattre, on ne demande pas si tu es musulman. Si tu es musulman ou bien tu es chrétien. Ou bien chose. C'est ça. C'est tout le monde qui suit. Donc, le Mali appartient à tout le monde. Ouais. Lui, il parle de l'islam. L'islam, même en tant que tel. Dieu dit que nulle contrainte en religion. Donc, si Dieu voulait que tout le monde soit musulman, il a ce pouvoir. C'est ça. Donc, lui-même, du coup, il n'a rien à dire. C'est un pion de la France, c'est tout. Ouais. En tout cas. Les Maliens sont matures pour comprendre sa politique. Donc, ils ne vont pas le suivre. Je suis en direct. Ils ne vont pas le suivre. Je suis en direct. Donc, ce n'est pas les Français ni les Occidentaux qui vont dicter ce qu'il faut faire au Mali. Les Maliens vont décider celui qui sera leur président. Si Assani veut se présenter, il se présentera. C'est tout. Quand il s'agit du Tchad, il ne parle pas.
Ils soutiennent, tu sais, le fils d'Idriss Déby qui veut se présenter là, ils ne parlent pas, ils sont là, ils disent rien. C'est ça, ils disent rien. Parce que ça les arrange. Ils disent rien. Oui, ce qui se passe au Sénégal, ils sont là, les médias, ils sont là, ils ne disent rien. Ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, ils ne disent rien. Mais au temps de Bago, on voyait ce qui se passait. Il suffit que quelqu'un soit tué net, on dit non, c'est les escadrons de choses. Ils prennent ça pour enflammer la toile. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un combat qui concerne tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer. Il faut qu'on taise nos querelles d'avant pour aller de l'avant. Ok. Merci. Merci frère pour ton intervention. On vous soutient, courage à vous. C'est pas facile, mais on vous soutient. On est dedans. Voilà, allez. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pris mes deux intervenants comme j'ai promis. Je vais continuer dans ce direct à toujours m'exprimer avec vous parce qu'il est important. Comme je disais, vous êtes 628. Merci d'être connectés nombreusement parce qu'il s'agit de notre Afrique, il s'agit de notre continent, il s'agit du Mali qui a commencé à faire la fierté de l'Afrique. Ce que MINUSMA fait aujourd'hui, il faut que nous puissions dénoncer cela. Chacun doit, depuis sa position, dénoncer le comportement de la MINUSMA. Ce que je vous dis, c'est très clair et très simple. Si Assimi Goïta décide d'être candidat, personne ne pourra l'empêcher d'être candidat à la présidence. Assimi Goïta a déjà montré le chemin de la gloire. Il faut l'accompagner dans ce chemin-là. Il ne faut pas que quelqu'un vienne ici dire non, Assimi Goïta est militaire. Donc, il n'a qu'à dire, c'est parce qu'il est militaire qu'il y a un travail propre qui est en train de se faire. Aujourd'hui, il n'y a pas une armée actuellement en Afrique qui peut s'énerver contre le Mali. Non. Ils peuvent s'énerver comme ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais s'énerver contre le Mali, ils n'ont pas cœur. Parce qu'aujourd'hui, le Mali a décidé d'être au sommet. Le Mali a décidé d'équiper son armée, de protéger sa population. Le Mali a mis en place une stratégie militaire qui est en train de payer. Le monde entier voit. Et puis toi, le Malien, tu ne vois pas. Le monde entier salue ça. Et toi, le Malien, tu ne salues pas ça. Tu vas venir t'énerver contre Assimi. Tu vas venir trouver que non, il n'a qu'à passer le flambeau, comme on appelle, aux politiciens. Il n'a qu'à passer aux civils. Maintenant, on n'a qu'à changer. Ça, c'est un discours que ces gens-là veulent mettre dans votre tête et vous vous répétez ça comme les bêtes. Vous êtes là, vous suivez. Non, ne répétez pas en boucle ce que les autres vous demandent de répéter. Ce sont eux qui vous poussent à répéter ce que vous dites là. C'est pas vous, ça vient pas de vous. Et il faut que ça s'arrête. En Afrique, on veut plus voir ça. Sur notre continent, on veut plus voir ça. On décide de nous-mêmes, on choisit de nous-mêmes, on fait de nous-mêmes. Donc, ce que Assimi Goïta a décidé de faire, il faut ajouter un mot, MINUSMA dehors. Écrivez ça, ça va rester sur cette vidéo. MINUSMA dehors. Il faut insister. Il faut insister parce que c'est le 29 là-bas, le 29 juin, que eux ils veulent décider. Mais il faut anticiper leur départ. Il faut commencer à dire, ils n'ont qu'à prier Baraï dès maintenant. Parce que le 29 là, on ne veut pas entendre que MINUSMA a encore 6 mois ou 3 mois. Ou un an. Non, c'est fini. On ne veut pas entendre ça. Donc, pour ne pas qu'on entende ça, il faut commencer à accélérer leur départ. Il faut commencer à demander leur départ. Il faut écrire MINUSMA dehors. On ne veut pas de la MINUSMA au Mali. Il faut écrire ça. Comme je vous ai dit, ils sont passés par la Côte d'Ivoire. L'ONU est passée par la Côte d'Ivoire. On dit ONU-SI. ONU-SI était en train de faire un travail pour pouvoir faire tomber le président Laurent Gbagbo. Bekia Zérignon, mon numéro est là. Donc appelle-moi. Appelle-moi, mon numéro, prends mon numéro et puis appelle-moi plus tard, après ce direct. Bekia, appelle-moi plus tard. Et puis tu es à Toulouse. Voilà, moi, je ne sais pas comment t'expédier ça là-bas. Donc appelle-moi plus tard. Donc, cher ami, voilà ce que je voulais dire par rapport au Mali. Je me suis éternisé dessus. J'ai fait beaucoup. Je suis rentré parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas parlé du Mali. Donc aujourd'hui, là, je suis sorti en foule sur le Mali pour dire bravo
au président Assimi Goïta, au colonel Assimi Goïta. Félicitations à lui. Et nous l'encourageons à continuer ce combat. Il doit chasser MINUSMA. C'est le dernier bastion de la France-Afrique qui traîne encore au Mali. Il faut qu'il mette MINUSMA dehors. Quand la MINUSMA sera dehors, nous maintenant, on va commencer le travail. Ils ont dit non, si Barkhane s'en va, si Barakuda ou Tabakura ou Tabouré s'en va, c'est fini. On est mort au Mali. On pourra plus, les FAMA ne pourront pas gérer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les FAMA ne gèrent pas? Est-ce qu'aujourd'hui, les FAMA ne font pas un boulot propre au Mali? L'armée malienne monte en puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Chris Bléogou, tu es sur le direct. Je t'appelle après le direct. Donc voilà mon message par rapport au Mali. J'ai duré sur le Mali parce que, comme je vous ai dit, il y a longtemps, je n'avais pas parlé du Mali. Et je suis content de ce qui est en train de se passer. Du oui que les Maliens ont décidé de déposer sur la table pour que tous ceux, les frustrés, les vendus, les corrompus, comme les imams Diko là, puissent voir que le Mali n'est plus derrière des gens vendus comme eux. Le Mali a choisi son président. Le Mali a choisi Assimi Goïta et les autres colonels. Le Mali a décidé d'accompagner Assimi Goïta. Donc, que tu sois imam, que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois féticheur, que tu sois marabout ou quoi que ce soit, le Mali a choisi son président qui est Assimi Goïta. Le Mali choisit d'accompagner l'œuvre d'Assimi Goïta au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième point, nous parlons du Burkina Faso. Alors le capitaine Ibrahim Traoré, lui aussi est à saluer. Parce qu'il a sorti un communiqué pour dire que dans MINUSMA, là, lui retire ses hommes là-bas. Voilà, tous les Burkinabés qui ont travaillé pour l'ONU, il va les retirer. Parce que tout à l'heure, Alimata Biezel dit que il y a des Maliens qui disent quand MINUSMA va partir, ils seront appauvris. Ils n'auront plus rien à faire. Quel est le plan prévu pour eux quand MINUSMA va partir? Mais mon frère ou ma soeur, tu as travaillé dans MINUSMA. C'est vrai, tu as eu l'argent là-bas. Mais est-ce que pour toi seul, là, on doit continuer à garder ceux qui permettent à d'autres personnes de tuer les populations maliennes? Est-ce que parce que toi, ton ventre doit être rassasié, pour ça, là, on doit laisser tout un pays, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui importe. Je répète, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui importe. Je répète pour la troisième fois, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui importe. Donc, on ne va pas, c'est vrai, ça fait mal, mais on peut pas garder MINUSMA à cause de toi, ton ventre, à cause de toi, ta nourriture ou ton salaire. On ne peut pas garder MINUSMA pour ça. D'ailleurs, je t'exhorte à te rapprocher de l'État malien pour qu'on puisse t'orienter par rapport à ce que tu as fait quand tu étais dans MINUSMA. On va t'amener dans les forces des FAMA. Tu vas aller travailler dans les FAMA. Tu vas aller aider les FAMA. Ce que tu faisais à MINUSMA, là, on va t'envoyer au milieu des FAMA. Tu as fait ça là-bas. Et le salaire que tu gagnais chez les MINUSMA, là, Assimi Goïta est capable de te payer ça parce que le Mali est riche. Parce que le Mali, désormais, n'est plus pillé. Donc, le Mali peut s'occuper de ses hommes. Le Mali peut payer ton salaire là deux fois ce que tu gagnes à MINUSMA. Donc, rapproche-toi. Envoie tes dossiers. Dis-leur que MINUSMA va rentrer. Moi, je voudrais travailler avec l'armée malienne. Ce que je faisais avec MINUSMA, je veux faire ça avec l'armée malienne. Je ne pense pas qu'Assimi Goïta va te chasser. Parce que tu es un Malien. Parce que tu viens de perdre ton emploi. Donc, il va te trouver quelque chose d'autre à faire. Et tu seras peut-être mieux payé parce que le Mali peut mieux te payer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on revient, comme j'ai dit, j'ai fait la transition avec le Burkina. Donc Ibrahim Traoré s'est acheté encore des armes. Les amis, Ibrahim Traoré aussi est en train d'équiper. C'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai dit, mais Ibrahim Traoré, attendez, le deuxième point c'est quoi? Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré veut interrompre les accords militaires avec la France. Le capitaine Ibrahim Traoré veut interrompre les accords militaires avec la France. Ce n'est pas du jeu. Assimi Goïta l'a fait aujourd'hui. Le Mali est fier d'Assimi Goïta. Vous comprenez? On demande au peuple burkinabé de prendre exemple sur le peuple malien. Parce que le peuple malien a choisi Assimi Goïta, soutient Assimi Goïta. Donc le peuple burkinabé,
par ricochet, doit soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, qui est en train de vouloir décider, prendre des grandes décisions qui vont aider le Burkina Faso. Le Burkina que les gens humiliaient, le Burkina que, dont les gens disaient « Ouh, chaque mois il y a coup d'État là-bas, à chaque fois il y a toujours coup d'État, ça fait 15e coup d'État, et ceci et cela. » Le Burkina aujourd'hui est dans la main d'un capitaine, un jeune garçon qui est fier de son pays, un jeune sankariste qui est là pour renouveler, hein, pour renouveler l'alliance de Thomas Sankara avec la population burkinabé. Ce jeune-là a décidé, bientôt, il va couper cette relation-là. Parce que quand lui aussi il a lu les accords qu'on a donnés pour le Burkina, Ibrahim Traoré a dit, il a remué la tête. Il dit non, ce n'est pas possible. C'est presque les mêmes accords avec le Mali que Assimi Goïta a déchiré dernièrement. Ce sont les mêmes accords, les 11 accords que Assimi Goïta, sur 11 il a déchiré 9 là. Ce sont les mêmes accords là que le Burkina a. Dans ces accords-là, le Burkina doit se soumettre aux forces étrangères. Dans ces accords-là, il y a des choses dedans impensables même que vous ne... Quand on va lire là, vous-même, vous allez dire, hein, dans nos pays, il y avait ça. Oui, oui, c'est ce que le Burkina a. C'est ce que la Côte d'Ivoire a. C'est ce que le Niger a. Ils ont donné ces accords-là partout dans ces pays francophones. Et ils dirigent par rapport à ça. Ils ont une main mise sur notre économie par rapport à ça. Toutes nos matières premières doivent partir chez eux. C'est eux qui décident. Si tu dois acheter quelque chose, tu dois acheter même un pistolet en Chine, il faut passer d'abord par la France et puis eux, ils vont donner leur accord. Et puis eux, ils sont capables de dire que le pistolet n'a qu'à passer d'abord par la France. Eux, ils vont vérifier, ils vont regarder. Si le pistolet est trop joli là, ils vont garder ça. Et puis ancien pour la guerre de 1944 là-bas là, ils vont prendre ça pour venir te donner. Et tu vas payer ça plus cher que tu devais payer en Chine. C'est tout ça là que le capitaine Ibrahim Traoré va déchirer. Avec la France, il va tout déchirer. Il va déchirer ça. C'est pour cela que je dis bravo à ce jeune homme. Les amis, est-ce que les Burkinabés sont là? Si vous êtes là, mettez des cœurs. Si vous êtes là, il faut partager. Parce que nous sommes actuellement en connexion avec le Burkina. Nous sommes en connexion avec Ibrahim Traoré qui est en train de faire un travail. Il a acheté des armes. Il a acheté des armes. Il est en train d'armer encore le Burkina. Il est en train d'équiper le Burkina. Parce que sans force militaire, tu ne peux pas taper du poing sur la table. Quand le colonel Assimi Goïta dit à quelqu'un de dégager de son pays là, il fuit même, il ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que Assimi Goïta est assis sur des armes. Il est assis sur son équipement. Tu ne peux pas t'amuser. Donc Ibrahim Traoré, avant de dire à qui que ce soit de dégager de son territoire, il faut qu'il soit assis. Donc il est en train d'équiper son armée. Les forces de défense et de sécurité, les VDP, sont en train d'être équipés militairement pour pouvoir faire face à l'affront des rebelles, ceux qu'ils appellent terroristes. Donc il faut saluer ça. Le jeune Ibrahim Traoré est à féliciter. Il a accompagné Borog Yad. Oui, Borog Yad soit salué. Il a accompagné, il a soutenu. Parce que un moment, lui-là, qui est qui est en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, à un moment donné, voulait influencer le jeune homme. C'est pour ça que depuis un moment, ils sont en train de réfléchir comment faire pour pouvoir l'approcher. Ils essayent de voir dans son entourage quels sont ceux qui sont prêts à faire encore un autre coup à Ibrahim Traoré. Ils sont en train de réfléchir à ça. Et comme eux, ils disent non, ceux qui veulent faire le coup souhaitent que, comment il s'appelle, Damiba rentre. Donc Damiba écrit lettre, oui, je veux rentrer dans mon pays. Il faut que Ibrahim Traoré essaye de regarder de mon côté. Je vais rentrer pour voir ma famille. Mais non seulement ça, je vais apporter mon expertise. Quelle expertise toi tu veux apporter? Oui, allô? Non, j'ai pas oublié. J'ai fini mon direct tout à l'heure, je prends la route. D'accord. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, oui. Voilà. Tout à l'heure, je m'avais fait enrôler, je m'avais fait adhérer quelqu'un au PPACI, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti de mon président Laurent Gbagbo. Je m'avais fait adhérer quelqu'un tout à l'heure. Voilà. Donc voici le travail que nous faisons. On fait ça sur Internet, mais on fait ça sur le terrain aussi. C'est comme ça, ça y est. Donc pour revenir à Alassane Draman Ouattara, qui est en train de lutter, comment faire pour faire taper Ibrahim Traoré? Parce que eux, pour eux, c'est un jeune capitaine.
Il n'est pas trop expérimenté. Il y a des colonels, lieutenant-colonels d'Amiba. Il y a des gens comme ça qui veulent se venger. Donc il faut revenir, distraire les gens. On amène une lettre au capitaine Ibrahim Traoré, le président. Oui, on veut revenir pour t'aider. On veut revenir t'apporter un soutien. On veut revenir t'apporter notre expertise. Toi, tu étais expert, tu connaissais des choses. Et puis, les terroristes étaient en train de terroriser ton peuple. Ils étaient en train de tuer les Burkinabés. Tu étais où quand les Burkinabés se faisaient assassiner et que des villages entiers fuyaient? Des gens fuyaient, ça, il y avait de l'exode vers la ville parce que les gens avaient peur de rester dans les villages. Parce que toi, Damiba, tu as dit que celui qui se bat pour quelque chose, ça lui appartient. Tu as donné cursus aux terroristes d'aller prendre des villages, puisque c'est eux qui se battent pour des villages. Ils tuent les populations, ils les chassent et puis ils prennent la place. Tu leur as donné force pour qu'ils puissent récupérer des terres. Aujourd'hui, toi, tu es un expert pour venir apporter ton expertise. Il faut laisser Ibrahim Traoré tranquille. Il est en train de faire son travail. Il faut l'oublier. Va faire tes exils partout. Promène-toi. De toute façon, tu es Burkinabé. Un jour, tu vas revenir dans ton pays. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de toi. Le Ouaga n'a pas besoin de toi. Burkina Faso n'a plus besoin de toi pour le moment. Il faut rester en exil là-bas. Ibrahim Traoré va faire le travail. Quand il va finir d'assainir la situation géopolitique, quand il va finir de protéger les Burkinabés, quand il va finir de sécuriser les villages, quand il va finir de faire en sorte que son armée, les FDS et les VDP soient en forme, équipés et qu'ils n'ont plus peur et que les salaires augmentent à ce moment-là, toi, Damiba, tu peux rentrer. Mais si Alassane Dramane Ouattara t'a dit de rentrer vite fait pour venir distraire le petit, pour venir l'endormir, pour venir lui faire croire que tu es là pour l'aider, nous, on a compris ça et on a déjà averti Ibrahim Traoré. Il n'est pas prêt à t'accueillir pour le moment. Voilà, le message est clair. Il faut comprendre ça. On n'a pas besoin de toi pour le moment. Va dire à Alassane Dramane Ouattara, ton mentor, que nous, on n'a pas besoin de toi au Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso a besoin de stabilité pour le moment. Ils n'ont pas besoin d'un retour de quelqu'un qui est déjà exil là, tu trembles. Non, toi au moins, tu as été accueilli par un président. Il y a des gens qui sont en exil. Ils n'arrivent même pas à manger, ils n'arrivent pas à trouver travail. Toi, tu as fui là, c'est le président du Togo qui t'a accueilli. Donc, tu es bien logé, tu es bien nourri, on s'occupe bien de toi. Donc, continue de vivre ça d'abord. Il faut rester là-bas pour le moment. Voilà. Il faut rester là-bas d'abord pour le moment. C'est ça, Ouédraogo. C'est Dayo. C'est Dayo, Ouédraogo. Hassan, Ouédraogo. C'est ça. Il faut apporter un soutien à 100% à Assimi Goïta. Et, comment on appelle, pardon, j'étais dans le Mali encore. Il faut apporter un soutien à 100% au capitaine Ibrahim Traoré. C'est de lui qu'il s'agit. Le jeune est en train de faire un travail. Nous, on le soutient depuis notre position. Et je vous ai dit, et je sais que beaucoup de Burkinabés le savent, il a acheté des armes. Il est en train d'équiper le Burkina Faso. Ah, le Burkina Faso va faire peur. Même les voisins du Burkina Faso vont trembler. Même les voisins du Burkina Faso vont trembler. Ils vont avoir peur du Burkina Faso. Voilà. Le terroriste qui aura gros cœur même pour dire lui va rentrer au Burkina là, il sera chicoté vite fait. C'est pour cela que je vous ai dit, les maisons que Alassane Dramane Ouattara est en train de construire pour dire que ce sont les, comment on les appelle, villages même, la ville ou le village qu'il a choisi, où il est en train de construire là. Vous les populations de là-bas, en Côte d'Ivoire, faites attention. Faites attention. C'est ceux-là qui ne veulent pas l'évolution de l'Afrique, qui ne souhaitent pas que le capitaine Ibrahim Traoré fasse un travail au Burkina Faso, qui sont en train de vouloir venir se cacher en Côte d'Ivoire, avoir leur base arrière en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le Burkina Faso. Et c'est Alassane Dramane Ouattara qui les soutient parce que c'est lui qui veut les loger, c'est lui qui veut les héberger dans notre pays. Donc nous, on n'a jamais dit qu'on ne veut pas de nos frères burkinabés, mais on ne veut pas des gens qui souhaitent la mort du Burkina. On ne veut pas d'eux en Côte d'Ivoire. Oumar Zongo, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. J'ai dit amen à ça. Oumar Zongo, j'ai dit amen. Donc, voilà aujourd'hui ce que je peux dire sur le Burkina. Je ne vais pas trop m'éterniser. On va prendre des informations encore et on va revenir pour parler. On va revenir pour parler. Mais pour le moment, il faut que le peuple burkinabé continue de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, parce que ce capitaine-là est en train de faire un travail. Et il est dans le viseur
de ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, ceux qui veulent faire tomber, chuter le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. Ils sont là, juste à côté, dans le pays voisin, en Côte d'Ivoire. Donc, je continue de dire au capitaine Ibrahim Traoré de continuer à équiper son armée, de continuer à faire confiance au FDS et au VDP, qui continue au peuple même civil du Burkina Faso, qui continue de faire confiance et qui compte sur nous, Africains, qui le soutenons. Ça, c'était mon deuxième point. Je vais aller sur le troisième point. Le troisième point, c'est un immeuble, c'est Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, un immeuble que Alassane Dramane Ouattara a vendu. Il a vendu un immeuble et aujourd'hui, quand on lui demande, il bégaye, il tremble. Il ne sait pas ce qu'il va donner comme raison. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas donner comme raison, pourquoi as-tu vendu? Pourquoi as-tu vendu l'immeuble appartenant à l'État de Côte d'Ivoire? Il a vendu l'immeuble appartenant à l'État de Côte d'Ivoire et on interroge son ministre, il commence à bégayer. On va écouter. Voilà. Avec vous, on va évoquer le premier point là, tout ça. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. L'agence France Presse a fait écho la semaine dernière de la vente d'un immeuble appartenant à l'État ivoirien dans le 7e arrondissement de Paris, Masseran. Alors, ce départ sur des bijoux de famille, et pourquoi? Permettez que j'entre pas dans les détails, tout simplement parce que c'est un processus qui a été démarré. Qui est géré au plus haut sommet de l'État. Géré au plus haut sommet de l'État. Est-ce que vous avez compris même? Je reprends. Reprenons doucement. Écoutez encore. Bonsoir. Écoutez encore. Avec vous, on va évoquer le premier point là, tout ça. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. L'agence France Presse a fait écho la semaine dernière de la vente d'un immeuble appartenant à l'État ivoirien dans le 7e arrondissement de Paris, Masseran. Alors, ce départ sur des bijoux de famille, et pourquoi? Permettez que j'entre pas dans les détails, tout simplement parce que c'est un processus qui a été démarré. Il bégait. Géré au plus haut sommet de l'État. Vous avez entendu, ce processus est géré au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a vendu l'immeuble appartenant à l'État de Côte d'Ivoire. L'immeuble nous appartient. C'est l'argent du contribuable que vous faites Boigner a pris pour acheter des bâtiments en France. Et ces bâtiments-là sont au nom de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas qu'un jour la Côte d'Ivoire tombe en faillite, quel que soit notre problème, on aura des biens qu'on pourra revendre pour faire rentrer l'argent. Si les salaires sont bloqués, si on n'a plus l'argent de gauche à droite et qu'on ne sait plus comment faire, si un jour dans l'imaginaire de quiconque, la Côte d'Ivoire était affamée, était souffrante et cette Côte d'Ivoire n'avait plus d'argent, on pouvait les biens que vous faites Boigny acheter là, c'est pour ça. Mais eux, qu'est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait? Puisque c'est sa femme qui s'occupait des biens de la Côte d'Ivoire au temps d'Oufoué Boigny, sa femme lui a indiqué qu'il y a un bâtiment. Il y a un immeuble qu'ils peuvent vendre. Et puis l'argent là va où? Dans leur poche encore. On demande à Koné Bruno de nous dire pourquoi on a vendu l'immeuble patrimoine de l'État. Pourquoi ça a été vendu? Il dit non, ce n'est pas à son niveau, c'est au plus haut sommet de l'État. Qui est au plus haut sommet? Toi, tu es ministre. Celui qui est au plus haut là, c'est qui? Ce n'est pas le premier ministre? Tout le monde sait que c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc voici encore. Voici encore ce monsieur qui sent que son départ est proche et qui veut vendre les biens de l'État. Sinon, pourquoi il vend? Quel argent ils n'ont pas en Côte d'Ivoire? Quel argent ils n'ont pas en Côte d'Ivoire pour aller vendre immeuble? S'il vend ça, là, c'est parce que lui-même, il voit sa chute arriver. C'est parce que lui-même, il craint parce que bientôt, il va tomber. Et comme il va tomber, il a besoin de vendre. C'est pour ça qu'il a privatisé tout ce qui est de l'État. Tout ce qui est de l'État, il a privatisé de gauche à droite. Et il veut maintenant vendre les biens de l'État. Voici un ministre qui est en train de bégayer. On te pose la question, tu dis non. Tu es ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Beau-frère d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, connais Bruno là, c'est un beau. Il fait partie de la famille. C'est-à-dire, il a marié une des nièces d'Alassane Dramane Ouattara. Et il est ministre. Elle aussi, elle s'occupe de d'autres choses.
Voici des gens comme ça. On lui pose la question et puis il tremble. Tu es ministre, il faut parler. Tu es là, non? Excusez-moi, je ne peux pas parler de ça parce que c'est géré depuis au plus haut sommet de l'État. C'est géré depuis au plus haut sommet. Mais tu viens de dévoiler que vous êtes en train de vendre les biens de la Côte d'Ivoire et l'argent, ça va où? Ça ne sert pas aux contribuables ivoiriens. Parce qu'on voit les Ivoiriens qui ont faim. Rien n'a changé. L'électricité a augmenté. L'eau a augmenté. Souvent même coupure d'eau là, c'est partout. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Vous partez prendre crédit, vous vendez les biens de l'État. Mais l'argent là, vous faites quoi de ça? L'argent travaille comment même? Vous, votre manière, travail de votre argent là, ça se passe comment? Voici des questions qu'on doit poser. Ça se passe comment en Côte d'Ivoire là? Votre travail de votre argent là, ça se passe comment? Vous travaillez comment avec l'argent là? C'est bizarre. Voici des gens qui sont assis, ils disent que l'argent travaille. Et on ne voit pas le travail de l'argent. On voit plutôt des choses. On voit plutôt que vous êtes en train de faire endetter la Côte d'Ivoire jusqu'à un point où on ne sait même plus où mettre la tête. Mais moi, j'appelle et j'interpelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Vous voyez encore ce qui se passe. Vous voyez comment Alassane Dramane Ouattara est en train de vendre nos biens. Il est en train de sacrifier l'argent de nos enfants, des générations futures. Alassane Dramane Ouattara, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait de cet argent. À qui il donne cet argent? Il veut. C'est-à-dire, lui, il sait qu'il va mourir. Il y a pas bientôt. Il sait qu'il va mourir bientôt parce qu'il est vieux. Mais son argent-là, ses enfants, ses petits-enfants, ils vont mourir jusqu'à ça va rester. Mais et le peuple qui souffre, est-ce qu'il pense à ce peuple-là? Est-ce qu'il réfléchit un peu à ce peuple qui souffre, ceux-mêmes qui l'ont soutenu là, combien sont devenus riches aujourd'hui? Ceux qui ont donné leur poitrine pour Alassane Dramane Ouattara là, on les voit en train de mourir dans la Méditerranée. Ils sont en train de fuir pour venir en Europe ici. Ils sont en train de traverser l'eau pour venir en Europe ici. Pourtant, ils se sont donné leur poitrine. Ils étaient prêts à macheter les gens pour Alassane Dramane Ouattara. Mais quand lui, il prend là, il donne à ses neveux, ses nièces, ses beaux-frères, c'est autour de lui. Un petit noyau qui s'enrichit, qui se surenrichit. Je ne sais même pas comment dire ça. Ils sont vachement riches. Ils sont vachement riches. Et quand on parle, ils disent, oh, nous, on s'en fout. Oui, tu as raison, Borodiad, Diad, de dire que ça ne leur dit rien. Oui, ils s'en foutent. Ils disent que eux, c'est Alassane. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Quel nasi qu'il a mis dans leur narine. Et puis, ils ne comprennent pas. C'est quel nasi qu'il a mis dans votre narine. Parce que c'est quand même hallucinant, c'est quand même bizarre. Voici des gens, on leur donne des informations, on leur dit, faites attention, ce monsieur est en train de vous tuer, il est en train de vous appauvrir, il est en train de vous affamer. Et eux, ils disent, non, on est prêt à mourir pour lui. On est prêt à mourir pour lui. D'accord? Continuez à être prêt à mourir pour lui. Mais quand demain, la roue va tourner là, ne dites pas que non, on regrette, qu'on ne savait pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne nous dites pas ça, hein. On ne sera pas d'accord avec vous. Ne nous dites pas un jour, quand la roue va tourner, que vous n'étiez pas d'accord avec lui, mais vous étiez obligé. Non, 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 c'est fini. On ne peut pas accepter ça encore. Non, 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 non. Jamais. Jamais on va accepter ça. Jamais on va accepter ça. Ne venez pas nous dire demain que non, on ne savait pas, on était coincé, on était obligé. Non, 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 non. Parce que vous avez parlé. Si vous fermez vos gueules, ça fait quoi? Mais quand nous, on est en train de parler, vous nous insultez. Vous êtes prêts à vous sacrifier même. Pourtant, vous avez faim. Pourtant, vos parents meurent. Leurs petits commerces, les marchés sont cassés. Ils n'arrivent plus à vendre leurs ngomi, leurs arachides. Tiga même, c'est fini. Mais ça, là, ça ne vous dit rien. Vous vous levez pour venir vous plaindre encore. Comment on appelle? Vous vous levez pour venir soutenir encore Alassane Dramane Ouattara. Donc, si vous continuez à le soutenir, soutenez-le jusqu'à la fin. Hein. Soutenez-le jusqu'à la fin. Même quand la roue va tourner, il faut continuer à soutenir Alassane Dramane Ouattara. Continuez à soutenir Alassane Dramane Ouattara. Continuez à le soutenir. Mais quand la roue va tourner, ne venez pas changer de bouche. Parce qu'on vous a répertorié, on vous connaît. En tout cas, pour beaucoup parmi vous, ceux qui se sont montés, qui se sont tapés la poitrine, qui ont dit c'est nous, on est prêt pour lui, on est prêt à faire ceci, on est prêt à faire cela. Soyez prêts aussi à répondre un jour. Voilà. Parce que lui-là, il n'est pas éternel. Et lui là, il n'est pas prêt à être là. Et puis quand il ne sera pas là, quand vous regardez dans vos groupes là, il y a qui?
Il a fait tuer celui même sur qui vous aviez peut-être un peu d'espoir. Celui qui s'appelle Ahmed Bakayoko, il l'a amené au cieux très tôt. Il l'a expédié auprès du Père. Donc, vous allez compter sur qui maintenant? Il y a qui? Donc, Koulibaly, il n'est plus de ce monde. Soumaoro cimetière, il n'est plus de ce monde. Vous allez compter sur qui? Il les a tous expédiés auprès du Père. Il reste qui? Sur qui? Chose, comment il s'appelle? Adama Botcho. Adama Botcho. C'est sur lui où vous comptez? Adama Botcho. Vous comptez sur Adama Botcho? Adama Botcho, c'est un businessman. Lui, il est prêt. Si demain Laurent Gbagbo vient au pouvoir, là, Adama Botcho va venir faire allégeance. Vous vous souvenez pas? Quand Soroki Bafori Diom était premier ministre, hein, ministre de la Défense, Adama Bitoko, Adama Botcho venait se prosterner devant lui. Il se mettait à genoux auprès de Soroki Bafori Diom. Vous avez oublié? C'est le même, hein? C'est le même Adama Botcho. Donc, c'est sur qui vous allez compter? Parce que quand on regarde parmi vous, là, il reste qui? Il reste qui? Donc, si c'est sur Adama Botcho vous comptez, lui, dès que Alassane Dramane Ouattara ne sera pas là, là, il va venir faire allégeance au président Laurent Gbagbo. Il va venir se coucher devant le président Laurent Gbagbo. Je vous le dis, il va venir se coucher devant lui. Parce que lui, c'est son Dabali, il cherche. C'est un homme d'affaires. Voilà. Il va venir chercher son Dabali. Il ne va pas suivre RDR. Je vous dis, si vous voulez, on se met au défi. Si Dramane Ouattara n'est plus de ce monde, ou bien il n'est plus là, Alassane Dramane Ouattara n'est plus là, là, Adama Botcho va tourner sa veste. Il va retourner sa veste. Il va retourner sa veste. Parce que ce ne sont pas des gens de conviction. Ce sont des suiveurs patentés. Ils pensent à leur ventre et à leur bas-ventre. Eux, ils luttent pour ça. Les amis, je m'avais fait enrôler quelqu'un. Je m'avais fait enrôler quelqu'un à la gare du Nord. Donc, je vais dans Paris. Je voudrais vous dire en divers. En tout cas, le 24, samedi qui arrive le 24, il y a l'Agora et Parlement de France. Deuxième édition de l'Agora et Parlement de France au métro Macadé-Poissonnière. J'attends que vous veniez nombreux pour qu'on puisse ensemble parler de politique nationale et internationale. On va se réunir. Les Agora et Parlement, vous savez comment ça se passe. Venez, il y a la deuxième édition. On vous attend. Ce sera ce samedi de 13h à 18h à Macadé-Poissonnière. Venez pour qu'on puisse échanger sur ça. Dans les divers toujours, sachez que nous sommes là et que nous nous portons bien et que le Parti des peuples africains continue de travailler. Le président Laurent Gbagbo se porte très bien. Il est très en forme pour la suite du combat et son nom sera sur la liste électorale. Ne vous inquiétez pas, nous y travaillons. Nous sommes là, nous continuons de suivre le dossier. Donc, soyez avec nous, ne vous inquiétez pas. Mettez des cœurs pour tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui. On a pu faire beaucoup de temps ensemble, donc mettez des cœurs. Il a dépassé les 1h30, je crois, ou 1h20. En tout cas, j'ai eu le temps de vous parler. J'espère que Dieu, dans sa bonté, va vous assister, vous protéger. Dès ce soir, je ferai la deuxième vidéo. Cette vidéo réponse au comment on m'a dit de ne pas lui répondre. Voilà, j'ai reçu des appels de personnalités, de personnes que je respecte, qui m'ont dit de ne pas lui répondre. De juste envoyer, s'il y a envie de vraiment répondre, de ne pas aller trop dans les détails et puis de ne pas être, au-delà du respect. Donc, j'ai compris leur message, mais je dois quand même laver mon nom, voilà. Je dois laver mon nom. Donc, ce soir, je vais apporter une petite réponse. Je vais apporter une petite réponse, au frère François Kensi. Donc ce soir, je ne sais pas trop à quelle heure, mais ce soir, apprêtez-vous à tout moment. Parce que quand je donne l'heure après, on me signale et puis la vidéo ne passe pas. Donc ce soir, dans le respect, hein, et puis j'ai eu des appels de personnes responsables, respectables, des personnalités. Je n'ai pas envie d'aller plus loin que ma réponse, mais comme je dois dire au moins un mot, il faut que je dise un mot ce soir. Venez, on va parler. Voilà. Donc à ce soir, merci à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse
comme on appelle la Centrafrique, que Dieu bénisse le Cameroun, avec tous les bons Camerounais, hein, les Camerounais panafricanistes, le Bénin avec les Béninois panafricanistes, le Togo avec les Togolais panafricanistes, la Guinée avec les Guinéens panafricanistes, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, le Ghana, la Guinée et tout, et comme on appelle le Libéria et tout. Merci à vous, le Tchad, que Dieu vous bénisse au Tchad là-bas. Voilà, merci. Ciao, ciao, ciao.